Sind interessante Tiere, sind, les vaches sont des animaux intéressants, des animaux passionnants, des animaux à multiples facettes, capables de faire beaucoup de choses. Et ça fait vraiment plaisir de passer du temps avec elles. C'est impressionnant à quel point les vaches sont fidèles. Ce sont des animaux qui tissent des liens à vie avec des congénères. Elles sont capables de créer des liens forts. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles font la même chose avec les humains. C'est ce que je trouve beau et impressionnant, et qui fait que je suis restée auprès des vaches, c'est que ces animaux m'apportent beaucoup. Mes vaches sont toutes destinées à la boucherie. Mais comme elles ont appris quelque chose, elles ont un autre projet de vie où elles ont la possibilité de faire autre chose. Naturellement, c'est bien quand le bétail peut contribuer aux coûts qu'il occasionne. De temps à autre, mes vaches doivent se rendre un peu utiles. Et gagner leur croûte, si je puis dire. En tout cas, contribuer à la gagner. Oder mithelfen zumindest. Lorsque je raconte autour de moi ce que je fais, les réactions vont de l'étonnement à l'amusement. Mais la plupart des gens sont ravis de rencontrer une personne qui aime faire ce qu'elle fait. Je m'en rends compte aussi lorsque je vais me promener avec mes vaches. On me demandait toujours, tu les amènes chez le boucher ? Je crois que ça n'existe plus nulle part d'amener une vache à pied à l'abattoir. C'est une association d'idées. Dès qu'une vache est à plus de 200 mètres de la ferme, elle devient aussi étrange qu'un éléphant. Ça n'arrive jamais. On ne va pas se promener avec sa vache. L'image de la plupart des gens, c'est que la vache est couchée dans un pré et rumine, ou qu'elle est debout en train de brouter. Je me rends compte aussi que les gens sont heureux de rencontrer une vache à des endroits insolites, car elle représente un certain ralentissement. Beaucoup de choses manquent peut-être dans notre société rapide et affairée. La présence de la vache apporte un certain équilibre. Nous avons vécu à Berlin. Si nous sommes venus en Suisse, c'est à cause du travail de Léo, qui est physicien. Il travaille chez IBM à Rüschlikon. Il fait de la recherche fondamentale et il a eu la chance de trouver un travail dans son domaine. Et moi, j'ai suivi. Hannah, so.
mal des Grundfeld. Acht ein Vampir, ganz voller Blut, und er verliere ich jetzt immer. Eine große Spinne mit viel Haar, nein, das ist gar nicht wunderbar. Ach, wär's doch hell und wieder Tag, ich wär so froh, dass ich keine Frage. Und jetzt? Das war ja schon mal gut. Moi, j'étais la troisième de six enfants. Nous avons grandi sur une colline. Il y avait trois maisons, 12 enfants, 4 chiens et rien autour. La forêt, beaucoup d'animaux. Mon père collectionnait les animaux. Il y avait des moutons dans la cuisine, des martres sur le chauffage, des écureuils qu'on élevait au biberon. On élevait toujours de petits animaux. Et il y en avait d'autres auxquels on apprenait des choses. Des chevaux, des poneys, des chèvres, un bouc, des lapins, des chats, un tas d'animaux. En fait, j'ai grandi dans un trou paumé. Au début, je pensais étudier autre chose, travailler dans d'autres domaines. Chercher des approfondissements. J'ai donc étudié la philosophie, l'art, les sciences sociales. Pendant un certain temps, j'ai été aussi assistante de mise en scène au théâtre, ce que j'ai trouvé passionnant. Mais je me suis toujours dit que l'un n'exclut pas l'autre. Je peux aussi avoir des animaux. Links. Hop. Aufpassen. Komm links. Rein. Komm. Komm. Wow. Warte. Avant la maturité, j'ai pensé étudier la médecine vétérinaire. Ensuite, je me suis dit que c'est un travail avec des animaux malades qui, au fond, vous détestent parce que tous les animaux détestent le vétérinaire. Ce n'était pas forcément ce dont j'avais envie. Je préfère faire avec les bêtes des choses qui leur font plaisir. Mon père est biologiste et il s'est toujours intéressé aux animaux et à leur comportement, bien sûr aussi aux plantes. Comprendre quel est cet animal et que fait-il. L'observation de l'animal était quelque chose de très important pour mon père et nous en parlions en famille. Quelle observation avions-nous faite? Et de là, nous réfléchissions à ce que l'animal serait capable d'apprendre. Quelle tâche nous pourrions l'amener à faire? Pour les vaches qui sont agiles et intelligentes, elles s'ennuient naturellement vite. La tâche doit être intéressante et leur faire plaisir, et ça doit bouger, ça doit être captivant, sinon elles perdent la motivation. Je cours avec le bœuf et je lui fais confiance. Il ne va pas me renverser. Ça lui serait facile. Il est beaucoup plus rapide que moi et en plus, il a des cornes. Il n'a même pas besoin d'accélérer pour me bousculer. Il ne le fait pas parce qu'il m'aime bien. Komm.
Brav, fein. Wow. Super, ganz fein. Guter Murmel, ja fein. Je peux exiger des choses de lui, mais pas trop. Dès qu'il se sent surmené, il prend la fuite ou il se bat. Je dois avoir un peu peur, sinon je ne suis pas assez prudente. Et il peut y avoir un accident. Ça, c'est important. Je dois le respecter et lui aussi doit me respecter. Autrement, c'est mauvais pour tous les deux. Et sûrement pire pour moi. Liliane et moi, nous avons un plaisir, une passion commune. Nous passons volontiers du temps avec les vaches. Et nous travaillons souvent ensemble. Parfois, il y a des projets faits dans l'urgence. On cherche par exemple une vache pour un film ou pour une publicité. Alors nous travaillons ensemble. Dans un film, on a souvent besoin d'une vache qui va d'un point A à un point B. Et pendant le déplacement, elle doit tourner la tête. Et ça, seule, c'est impossible à faire. Par contre, à deux, on y arrive. L'une de nous reste avec la vache, l'autre se cache derrière la maison et l'appelle. Et la vache va vers elle. Alors celle qui est restée au point de départ l'appelle à son tour et la vache tourne la tête. Allô? Quelque chose à déclarer? Non. De l'or suisse pour votre palais et votre gorge. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ha? Alles gut mit deinen Kühen? Ha? Genau. Ich sollte es mir auch irgendwie. Ja, das Maß war ja 35. He? Okay, gut. Jetzt nehmen wir den Kummer noch schnell führen. Da ist jetzt der Kummer. Das ist echt so ein Zufall und so selten in der Größe. Ja. Ich habe. Ich schaue natürlich immer ein bisschen um, ob ich etwas finde für dich, oder? Sehr gut. Schön. Wie neu. Lorsque je l'ai vu la première fois, j'ai pensé, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Je me suis dit, quoi, elle dresse des vaches et elle les fait travailler comme il y a 100 ans? C'est presque impossible. J'étais vraiment bouleversé, impressionné que quelqu'un fasse ça. Je ne connais personne d'autre qui en soit capable. Je suis enchantée d'avoir rencontré Franz. Il peut me réparer certaines choses. Il a fait la plupart de mes harnais. Et il a aussi conçu les tapis de sel pour les vaches. Mon vélomoteur vient de chez lui. Je lui dois tous les objets importants de mon quotidien. Je lui suis très reconnaissante. Il fait tellement pour moi. Je
Vous comprenez, je ne peux pas ouvrir un catalogue et choisir tel ou tel harnais pour vache et pour un bœuf de race Holstein ou plutôt Pinzgauer. Et en plus, le choix de plusieurs tailles, avec une nuque plus ou moins large. Non, ça n'existe plus. Les vaches de travail ont disparu, les harnais ont disparu, tout le savoir-faire et les métiers qui tournent là autour. Rencontrer Franz, c'est toujours enrichissant. On a le sentiment de ne pas être tout seul. Jetzt kannst du es mitnehmen. He? Kannst du es gerade selber anlegen. Schnell wegtragen. Da freue ich mich. Dankeschön. Gut, also. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke vielmals. Bis nächstes Mal. Ja, danke. Ciao. 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 Komm dran. Les gens qui viennent chez moi sont très divers. Ils viennent de toutes sortes d'horizons. Ce sont des gens qui s'occupent et qui travaillent avec les vaches. Il y a évidemment des paysans qui ont du bétail. Ils ont du plaisir à passer du temps avec une vache et à l'entraîner. Bambine, Bambine, komm. Bambine? Jetzt die Schulter, den Blick hattest du. Jetzt brauchst Bambine? Du noch mal den Blick. Und rufst du. Bambine? Gut. Und links? Und links. Und links? Und jetzt strenger. Und links? Komm, Bambine? Links. Links. Warte mal, dein Stimmkommando bleibt wie gleich. Mhm. Aber die Gerte, die wird stärker. So, komm, links. 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 Komm, links. Links, links, komm links. Wow. Komm. Bambine, links. Komm links. Links. Jawohl. Links, sehr gut. Und links, sehr gut. Links, links, Bambine. Wenn links. Sie aufhören darf, gib ihr das Stopp. Ho, ho. Und loben, sofort loben. Ah. Je travaille dans une ferme où nous avons des vaches de la race Highland. Je suis content d'avoir découvert Anne et la façon dont elle travaille dans son école de vaches. Ce qui m'impressionne, c'est sa détermination. Elle dit voilà, et oui, c'est la vache. Je suis gentil avec toi, mais elle montre aussi clairement les limites. Ses indications sont très précises. Moi, je devrais plus décider. J'ai beaucoup d'empathie pour les vaches. Elles viennent vers moi et elles ont envie de travailler avec moi. Mais dire stop, ça s'arrête là, leur indiquer clairement la tâche, ça, je dois encore l'approfondir. Les vaches se lèchent beaucoup mutuellement et en les grattant, j'imite ça. Pour certaines personnes, c'est l'élément le plus important, c'est ce qui tient un troupeau ensemble, le soin qu'elles apportent à leur pelage respectif. C'est difficile pour elles de se lécher le ventre. Et là, j'apporte un plus. Mon offre spéciale est que je peux leur masser le nombril. La vache ou ses congénères ont de la peine à faire ça. Je peux donc faire pour elles quelque chose de vraiment magnifique. Elles sont comme figées, pétrifiées. Elles ne bougent plus et me montrent de tout leur corps qu'elles adorent, qu'elles veulent que je continue et que je n'ai rien à craindre de leurs cornes. Quand elle commence à bouger le museau, à sortir la langue, je vois que j'ai touché le bon endroit. J'observe donc toujours leur visage pour voir comment elles réagissent.
rechts. Gut. Zieh. Les triplés sont nés il y a 4 ans. C'est les veaux de ma vache préférée. Ils étaient destinés à l'abattage. Pour mon père paysan, comme il ne pouvait pas produire de lait, il n'était pas rentable et devait finir à la boucherie. Mais je suis tombée amoureuse des trois et j'ai prié mon père, c'était de longues discussions, de pouvoir les garder tous les trois. Le but vraiment, c'est que je travaille avec eux, qu'ils gagnent leur propre argent. Les gens viendront ici pour se blottir contre les vaches ou les enfants pourront découvrir la vie à la ferme. Lorsqu'elle est arrivée ici pour la première fois, j'étais très curieux de voir ce qui allait se passer. Elle est venue, très calme. Elle est entrée en contact avec l'animal. J'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas. Et j'ai ressenti un lien très profond entre elle et les bêtes. On n'a qu'une seule chance. C'est la première fois qu'elle tire le char. Si ça va de travers, le plus bête serait que nous l'attelions à moitié et qu'elle devienne nerveuse et que la voiture se renverse. Dès qu'un engin est en jeu, il peut arriver des accidents graves. Notre idéal est de nous déplacer tout doucement, à la limite de l'ennui le plus total. Si lentement que, si elle ne se sent pas sûre, elle s'arrête, tourne la tête et que Sibyl l'encourage à avancer. Je me suis rendu compte qu'il fallait passer du temps avec l'animal. C'est très difficile à côté de tout ce qu'on a à faire. C'est pas évident de prendre tellement de temps pour un seul animal. Finalement, on avance plus vite si les animaux sont calmes. Si on ne les bouscule pas, c'est plus facile d'amener la vache à sa place en restant calme au lieu de lui donner des coups. Et c'est ça que j'ai retenu. Nos filles participent avec beaucoup d'enthousiasme parce que chacune a son animal dont elle s'occupe. Nous sommes une petite équipe qui fait quelque chose ensemble. Mais je pense que dans quelques années, cela sera peut-être embarrassant pour elle que je fasse ce travail. Cela évolue naturellement. Pour l'instant, elles sont vraiment partantes. Elles disent toujours qu'elles sont des cow-boyeuses. Komm, 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 laufen. Rein, rein, rein. Komm ich denn noch?
Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'attachement pour un lieu, que l'on s'y sent chez soi? C'est quoi le plus important pour que tu puisses te sentir bien quelque part? Tu recherches des odeurs et des gestes connus. Les vaches, elles sont internationales, elles ne parlent pas le suisse allemand. Alors dans ce groupe, je pouvais immédiatement m'intégrer. Avec mes vaches, je me sens comme à la maison.